liturgie de l'Eucharistie en cette journée de reconnaissance et de célébration de nos 7 jubilaires d'or et de notre jubilaire d'argent nous invite à entrer dans la danse, dans la fête à laquelle la sagesse nous convie. Les textes de la liturgie nous aident à proclamer notre louange. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Il est grand, notre Seigneur. Alléluia. En ce jour de célébration pour nous, filles de la sagesse du Canada, graciées par la présence de nos sœurs et de nos amis en provenance de l'Est et de l'Ouest, unies à toutes les personnes qui nous sont présentes aujourd'hui par la pensée et par la prière, toutes nous sommes invitées à rendre grâce à notre Dieu, sagesse créatrice, toujours à l'œuvre, pour sa fidélité dans la vie de nos jubilaires 2011. Vous avez vu Françoise, qui est avec nous, à notre grande joie. Vous avez vu aussi Monique, Rita, Lucille. Vous n'avez pas vu Maria. Sa fleur, elle était déjà présente parce que la santé la retient à Montréal. Vous avez vu Desneiges, Teresa, qui nous apporte une petite saveur internationale de la Colombie, et Sœur Annette. Avec elle, nous chantons la gloire de Dieu pour son œuvre créatrice qui s'exprime cette année 2011 par le thème « Plein feu sur la vie ». Vous pouvez, avec votre caméra intérieure, grâce à votre imagination, centrer votre œil sur la vie de nos campagnes pendant 5 décennies ou 2 décennies et demie pour Annette, quoi qu'il y en a beaucoup plus, vous le savez. Que d'éclatements de vie, de promesses, de rencontres, de voyages intérieurs et dans le temps. Pendant 50, pendant 25 ans, nos jubilaires, à travers leurs expériences grisantes, comme à travers les moments plus pénibles, ont appris à intégrer et à proclamer le mystère insondable de l'amour de Dieu. Oui, devant tant de grâces, tant de mystères, les yeux de la tête et du cœur demeurent émerveillés des pleins feux de la vie de chacune de nos jubilaires. Nous remercions le Père Mathieu de présider notre Eucharistie. Belle célébration à nous toutes et tous.
C'est toujours dans la joie lumineuse de la résurrection du Seigneur que la parole est proclamée à l'intérieur. Communauté de l'Église apostolique. Saisis